Depuis que j'ai été porté à la tête de ce ministère, c'est ma toute première visite en dehors de Kinshasa. Et j'ai décidé de faire honneur au Congo central. J'ai décidé de faire honneur à toutes les provinces éducationnelles du Congo central, pour la simple et bonne raison que l'occasion du lancement des épreuves de la hors session 2021 me permet d'être ici et de vous faire honneur. Si d'habitude, par le passé, on a eu à lancer les épreuves à partir d'ici, mais j'ai été personnellement dicté par un autre mobile. C'est que depuis que je suis à la tête du ministère de l'EPST, de toutes les provinces administratives ou éducationnelles, je reçois toujours des informations. Il y a des problèmes qui sont présentés, des dénonciations ou des dérapages qui sont signalés ça et là. Mais laissez-moi vous avouer que côté Congo central ainsi que toutes les provinces éducationnelles, il y a un calme relatif. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, que ce soit du côté des enseignants, du côté des écoles. J'ai tous les cahiers de charges au niveau des syndicats, que ce soit du côté des enseignants ou des bureaux gestionnaires. Mais je vous avoue que je n'ai jamais reçu une quelconque dénonciation. Je n'ai jamais perdu une seule minute pour mobiliser l'administration, mes collaborateurs, afin d'intervenir et trouver des solutions à un problème qui s'est posé au niveau du Congo central. Et pour moi, je considère que sans m'avoir vu, le Congo central m'accompagne et me soutient dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et aussi des objectifs qui m'ont été assignés par le gouvernement. Et comme on dit, l'arroseur sera arrosé. C'est comme ça que je voudrais, et c'est ce que j'ai décidé d'être ici, pour vous rendre également cet honneur-là. Ceci constitue également un encouragement à continuer sur cet élan et je vous assure que je serai beaucoup plus regardant et beaucoup plus favorable
à certaines questions qui vous concernent personnellement, parce que vous nous accompagnez déjà, que ce soit dans le cadre de la mission du redressement du sous-secteur, dans la lutte contre les antivaleurs qui y ont trouvé refuge, mais également dans la mise en œuvre et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Donc, soyez-en à l'avance remerciés, et je vous encourage à continuer comme ça,